Ok les potes, nouvelle boutique, on est parti. Du coup ce soir on a les basketteurs normalement. Ah yes, yes. Oh écoute, 1500 V-Bucks. Je me doutais un petit peu du prix entre 1200 et 1500. Ça paraissait logique. Ah, ils sont stylés quand même. Enfin, c'est des basketteurs quoi les gars. Dites-moi en commentaire, est-ce que oui ou non, vous allez oui ou non les acheter. Moi, je vais pas l'acheter tous les 12 000 non plus, hein, quand même pas. Je suis pas millionnaire. J'ai économisé pendant une semaine, je me suis dit, je savais qu'il allait sortir aujourd'hui. Et ils sont disponibles. À mon préféré pour l'instant, moi j'avais vu dans les trailers, c'est celui-ci. Après les autres, skin féminin, ils ont l'air drogués un peu. Leur tête, j'aime pas. Mais voilà. Lui, j'aime bien par contre. Ce skin-là, je. Il a une bonne tête, tu vois. Il y a un mode. Il, a un... il voit bien. Oh, j'adore par contre le revêtement de Fortnite. Donc il s'appelle Héros du Dark celui-là. Donc attendez. On va montrer rapidement les clusters, les potes. On va montrer sur le premier skin, comme ça va être facile à trouver. Moi, je vais mettre le numéro 9 parce que c'est mon chiffre favori. Donc voilà. Donc on va montrer un par une les customs, comme ça vous voyez, tous les customs c'est les mêmes dans tous les skins de toute façon. Donc ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on va aller vite hein, sixième, septième. Franchement ils sont pas mal, en vrai les revêtements j'aime bien, je trouve qu'ils sont stylés en plus. Moi je connais pas tous les équipes de basket, je connais certains de nom, ouais j'avoue que... Ils sont pas trop mal, hein. Moi j'aime bien. Même en violet, pourtant c'est pas mes couleurs préférées, certains cousins, mais. New York est pas mal. Ça, je crois que c'est les meilleurs. Beaucoup de gens aiment bien cette équipe-là. Mais je crois que je connais bien cette équipe de nom, du moins. Après, je connais pas spécialement le New York de basket, mais je connais un peu certaines équipes. Denver, ok, je connais un petit peu, ok. Pas mal. Les couleurs, j'aime bien, ça va. Détroit aussi, ok. Raptor. Rocket, Washington, c'est pas alphabétique, je pense, ouais, c'est ça. Warrior, Portland, la Minnesota, Thunder, et Phoenix, et le dernier, du coup. Ok, donc en vrai, franchement, les revêtements, pas les revêtements, les couleurs des équipes, de, voilà, sont stylés, franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je valide. Avant d'acheter le skin qui est juste ici, à mon avis, je vais acheter celui-là. Celui-là qui me tente plus pour l'instant. On va regarder un par un. Donc vous avez celui-ci aussi. Le pivot audacieux. C'est les mêmes customs pour les équipes. Donc pas là, vous montrer un par un. Vous avez le meneur implacable. Pas trop mal, la coupe de cheveux. J'aime bien. Le tireur abuser. Bon, celui-là, ce skin-là, on connaît bien la tête en vrai. Mais il est pas mal comme skin aussi. Ensuite, on a également le dribble double. Ok, pas trop mal. Arrière surdoué. Par contre, je sais pas, la tête, on dirait. Je veux pas, voilà. Je veux pas vous dire, mais la tête, je sais pas. Je valide pas tellement la tête, la meuf. 1005 aussi, la reine du bal du. Allez hop. Ok. Bah, pas mal, mais je sais pas. C'est la coupe de cheveux que j'aime pas spécialement. Ensuite, vous avez également celle-ci, la génie du rebond. Ça, c'est une nouvelle tête, ça, non? Non, je crois, je me sens, hein. Ça va, c'est pas trop mal comme skin. Cette coupe de cheveux-là, j'aime bien. J'aime bien la coupe de cheveux de la fille. Je crois que c'est un nouveau visage, ça aussi, non? Il me semble pas avoir vu de skin avec un visage comme celui-là. Du moins, je crois. Du moins. Ok. Bon, j'aime bien. Celui-là aussi, j'aime bien. Ok. Et Virtuose Cruiser. Elle, on a déjà vu des skins après la même tête. Après, la coupe de cheveux, pas tellement. La coupe de cheveux, j'aime bien, mais. Je sais pas. Non, ça va. La coupe de cheveux, ça va. En fait, ça va. Ouais, ça va. Je regarde souvent, c'est les skins et la coupe de cheveux. Franchement, pour l'instant, mon préféré, c'est celui-là. Avant d'acheter, les gars, on va regarder du coup. Alors. On a du coup la petite. Ah, par contre, le sac à dos est séparé. Elle coûte 600 V-Bucks, le sac à dos. Vous avez du coup utilisé le jouet à ballon roulé pour marquer dans l'accessoire de dos panier portable d'un autre joueur et déclencher des effets spéciaux. Ok. C'est. J'avais vu qu'il y avait ce truc là, mais je pensais pas qu'elle allait être séparée du skin par contre. 600 V-Bucks, les gars, c'est un peu cher pour un sac à dos. J'avoue que. Je sais pas si je l'achèterai ou non, ça me fera un peu chier. Par contre, la danse, il y a moyen que je l'achète par contre. Celle-là, je l'avais repérée depuis une semaine, je l'attendais qu'elle sorte. Cette danse-là, ça sent les bugs dribbles. Avant d'acheter les potes, je vais regarder un par un. Donc là, si vous voulez acheter le pack entier, du coup, c'est 3500 V-Bucks. Vous voulez acheter tous les skins. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien acheter tout. Voilà, vous avez tous les skins, du coup, les 5 mecs. Si vous voulez acheter les 5 filles, c'est pareil, même prix. Juste là, on est bon. Là, du coup, on est retourné au point de départ, donc c'est bon.
Ensuite, avant d'acheter tous les skins, je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, je vais pas acheter tous les skins, vous avez capté. Navigamment, le retour de skin Archange de 1000 V-Bucks. Nous avons le petit revêtement à 500 V-Bucks. Divin. Nous avons sa pioche, 800. Le skin Zébut, 1005, qu'on connaît plutôt bien. On a également sa pioche, que j'adore d'ailleurs. On a aussi le retour, encore une fois. Elle n'est pas sortie très, pas très longtemps, celle-là, ce skin-là. Batchy 1200 V-Bucks, elle sort souvent en boutique, celle-ci. Hein. Ah, le pure crâne, c'est un petit moment qui n'est pas sorti. 1005. Le petit revêtement, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien le revêtement comme ça. En plus, c'est un des rares revêtements couleur, enfin, couleur épique, parce que c'est vraiment le premier, je crois, qui est sorti à l'époque. 1005, j'allais dire. 700 V-Bucks, excusez-moi. Cette petite pioche, ok, elle est un petit moment qui est sorti. Hein. Ça doit faire un petit un an, peut-être. Je ne sais pas ce que c'est cette pioche. Mais V-Bucks, cette danse qui est sympa, mais malheureusement en copyright comme d'habitude. 500 V-Bucks. En sueur Epic Game avec tous les V-Bucks qu'on va dépenser sûrement sur le jeu, encore une fois. Pour ceux qui vont acheter toutes les boutiques. Et du coup, on est bon. Ensuite, tout disponible le petit pack de celui-là, celui-ci. Catwoman, du coup, j'ai pu l'avoir gratuitement. Au final, on me l'a offert. Et je me suis acheté la pioche puisque le pack, du coup, ne me coûtait que 300 V-Bucks. Donc j'ai pris la pioche qui coûtait 300 V-Bucks au final. Toujours disponible ces deux petits packs là et le club de Fortnite. Du coup c'est tout pour cette boutique et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et moi je vais m'acheter ce skin parce que c'est celui-là qui me tentait le plus. Donc on va faire let's go ce petit skin. J'ai économisé depuis une semaine les potos. Je veux ce skin logique. Donc on n'oublie pas le petit pouce bleu et s'abonner. Et sur ce, eh bien... faut que je bois de l'eau, j'ai sans m'étouffer. On se dit à demain, bon week-end, bon recharge. Ciao bye.